Freeborn. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Young Street Born. Wow, you're from there. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Young Street Born. Il y a eu incendie quelque part et quelque chose d'étrange s'est passé. C'est mystérieux. Je vous explique. Quand il y a eu le feu, tout a brûlé. Même les ordinateurs qui se trouvaient là-bas. Sauf une seule chose. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. La Bible. Une Bible n'a pas brûlé là-bas. J'avais vu ça auparavant. J'avais cru que c'était de la blague. Ou j'avais vu tout simplement dans un accident de voiture. Là même, la voiture même s'est consumée. Le feu a commencé à tout brûler dans la voiture. Mais la pipe qui était là-bas avait également refusé de brûler. Mais quand je fus ça aussi, je me suis dit que cette fois, trop c'est trop. Nous devons vous montrer ça. Et c'est un corps habillé qui va nous montrer qu'effectivement, ce n'est pas de la blague, c'est son témoignage. Allons voir ça de nous-mêmes. Wow! Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Et partagez cette vidéo à vos meilleurs amis. Allons-y. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs, que votre famille se porte à merveille, c'est le lundi. Bon début de semaine à tous, vous êtes jolis. Nous travaillons tous ici et notre boulot a commencé. Regardez même ça. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Un truc hors du commun vient de se passer. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un ordinateur. Quand il y a le feu, franchement, tout se consume. Et ce que vous voyez par ici, c'est une Bible. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une Bible ne peut-elle pas brûler? Il y a même une feuille à l'intérieur du papier. Parce que c'est du papier en réalité. Ha! C'est ce qui va se passer ici, un truc mystérieux. La Bible a refusé de se consumer. Regardez. Wouh! Cet homme est ici et il veut nous témoigner de ce qu'il a vu. Même il a touché avec ses amis. Ils ont décidé de filmer ça. Regardez-les. Ce sont des corabiers. Ils n'ont pas besoin de mentir sur de telles histoires. Ils n'ont pas une raison de raconter de tels trucs si ce n'était pas vrai. Et ils nous présentent tous les deux. D'un côté, l'ordinateur qui s'est consumé par le feu. Regardez dans quel état c'est. C'est comme du charbon, on dirait. Hein? Et la Bible, elle est ici. Dans quel état est cette Bible? Vous pouvez voir de vous-même. Et pour ceux qui n'y croient pas, nous allons voir ça ensemble. Regardez de vous-même, de vos propres yeux. Là, le monsieur nous explique où se trouvait la Bible et dans quoi même la Bible était. La Bible était tout simplement dans l'incendie. Vous voyez, quand le policier place cette bande, c'est qu'il y a eu un problème ici. Et il va nous expliquer ce qui s'est passé. Il essaie de nous expliquer dans quelles circonstances il a retrouvé cette Bible. Et apparemment, cette Bible a été retrouvée dans le feu. Dans le feu. Et il nous ouvre la Bible pour nous montrer clairement que ça n'a pas brûlé. Rien n'a brûlé. Et son collègue vient appuyer ses dires. Il nous montre l'endroit. Comme vous le voyez, il y a véritablement eu le feu ici. Il ouvre la Bible. Mais rien. Mais rien. Aucune feuille n'a été brûlée. Je dis bien. Aucune feuille. Comment c'est possible? C'est la question que je me pose aussi. Mais c'est ce qui est arrivé. Ah, c'est un truc audio commun. Il va nous montrer par la suite un ordinateur qui se trouvait au même endroit qui s'est consumé. Viens le voir. Aucun problème avec la Bible. Waouh. Là, il nous montre maintenant cet ordinateur en question dont je suis en train de vous parler. Et cet ordinateur est ici. Regardez. C'est pas de la blague. Et il compare ça à la parole de Dieu. Waouh. C'est la parole de Dieu est éternelle. Même dans le feu, elle résiste toujours. C'est vraiment puissant. Et ils ont décidé de nous témoigner ça. Quand Dieu fait des grandes choses dans votre vie, ayez le courage de témoigner, même si c'est en vidéo, et ça vous fera du bien. Wouh!
C'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, que pensez-vous de ça? Peut-être que c'est un signe que Dieu nous montre pour nous dire à nous tous ici de commencer à lire la Bible comme si nous étions dégustés du hamburger ou bien du poulet rôti. Oui, accroche-toi à la parole de Dieu plus que tout au monde. Accroche-toi à la parole de Dieu plus que toute autre chose, plus que les femmes. Les gens aiment beaucoup les femmes que la parole de Dieu, c'est pas normal. Mets-toi avec ta femme sur le lit. Au lieu de faire autre chose, lisez la parole de Dieu. Dégustez la parole de Dieu. Faites comme si c'était un plat. À chaque fois que vous lisez un mot, vous faites comme si c'était de la nourriture que vous avez mangé. Oh Seigneur, t'es joli! Si Dieu dit par exemple, respectez mes commandements et vous serez bénis, tu dis Amen! Même si Dieu te dit, ne pêche pas, ne cherche pas femme des gens. Si tu sais que chez femme des gens aussi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire Amen! Même si ça te fait mal! Et puis tu obéis à la parole de Dieu parce que c'est ce qui est juste. La parole de Dieu va nous juger à la fin. C'est la seule chose que Dieu a dit de sa propre bouche que ça ne va jamais passer. Et moi je crois. Tu as ton ami qui a écouté. Moi aussi je crois. Je crois que la parole de Dieu est ce que nous tous nous devons suivre. Que Dieu bénisse mes sœurs. Partagez cette vidéo pour vous une vidéo qui va venir là tout de suite pour cette même surprise. Si vous n'êtes pas abonné, pour le faire, pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Il y a beaucoup de choses bizarres qu'on vous montre aujourd'hui, ça risque de vous choquer. Si vous n'êtes pas encore bien assis, asseyez-vous bien.